Elle va devenir la première femme à présider le Parlement du Soudan du Sud. À 55 ans, Djema Nounou Koumba, jusqu'ici secrétaire générale du SPLM, le parti au pouvoir, vient d'être nommée par le président soudanais Salva Kiir pour diriger l'Assemblée nationale. Militante de première heure du SPLM depuis de nombreuses années, Djema Nounou Kan a occupé plusieurs postes officiels après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Déjà, Salva Kiir l'a appelé à se concentrer sur l'accord de paix de 2018, dont beaucoup d'aspects n'ont pas encore été mis en œuvre. Cet accord de paix a mis fin à plusieurs années de guerre civile et a permis d'instaurer un partage du pouvoir entre Salva Kiir, aujourd'hui président, et son rival Riek Machar, devenu vice-président du pays.